Les jeudis à Odiéné, c'est jour de mariage, particulièrement pour les couples musulmans. Au domicile des Fani, l'on célèbre l'union de Massangé et d'Ibrahim. Les tourtereaux se connaissent bien, ils sont cousins. Mais à Odiéné, cela ne gêne nullement. Selon l'officiant du mariage, qui est d'ailleurs l'oncle du couple, une telle union est bénéfique. Elle vise à renforcer les liens familiaux. Normalement, dans notre coutume qu'on a ensemble, moi je suis rassuré. Et on donne toujours le conseil pour ne pas nous gâter, pour gâter la ligne qui est entre nous. Il faut être propre, que ça soit un mariage poulé. Les mariages consanguins, appelés Badenyanfourou en langue malinké, sont légion à Odiéné. Au quartier Onko, Mamadou Samassi partage sa vie de couple depuis 2013 avec Mamalon, sa cousine. De cette union sont nés 4 enfants. Elles sont papa et moi, maman, sont des cousins et cousines. Mais avant de m'engager, j'en ai parlé à mes sœurs qui ont aussi fait le même constat que moi. J'ai dit, ah, vraiment, que, en tout cas, on pouvait faire les premiers pas. Et automatiquement, on en a parlé au chef Kelendjan, qui est mon oncle. Il m'a dit, mais ça, c'est mon devoir. Si j'ai dans la famille, tu as trouvé une fille que tu adores, moi, c'est mon objectif. Mamalon, son épouse, semble tirer son bonheur de ce mariage. Elle est toujours à mes côtés. Tout ce que je lui demande, vraiment, il fait un effort pour me rendre heureuse, quoi. Je n'ai jamais pensé à un mariage même en famille. Aujourd'hui, je ne regarde pas. Siaka Diabaté est chef de la famille Diabaté d'Odiéné. Il est aussi un habitué des mariages entre cousins et cousines pour avoir contribué ou participé à de telles célébrations. Depuis le temps d'aïeul, ça a existé. Parce que tu ne pouvais pas trouver de femme ailleurs, de fille à marier. Au lieu d'aller chercher ailleurs, tu es à côté de toi. Peut-être pour faciliter, pour éviter les dépenses. Parce que quand on fait un mariage en famille, on dépense moins. Parce qu'on va vous dire ailleurs, bon, on va envoyer 10 bœufs si vous n'avez pas les moyens. Vous voyez? La pratique s'est perpétuée de génération en génération. Elle ne rencontre pas l'adhésion de tous, surtout dans les rangs de la nouvelle génération d'Odiéneka. Nous sommes en Côte d'Ivoire déjà. On a quoi? Plus de 60 ethnies. On a une population de quoi? Pratiquement 23 millions d'habitants. Donc on n'a pas besoin de se marier en famille. Il y a tellement d'hommes, tellement de femmes qu'on peut simplement aller ailleurs. Je trouve que ce n'est pas bien. Et on peut renforcer les liens familiaux d'une autre manière. Pas forcément en épousant sa sœur ou son cousin ou un truc comme ça. Le mariage consanguin, c'est souvent l'objet de la division totale des familles. Moi, j'ai donné la fille à ma petite sœur, à mon fils. Et souvent, quand ça ne va pas dans le foyer, ma sœur défend son côté et moi aussi, je défends le mien. Alors, c'est la division dans la famille. Asta en garde un mauvais souvenir. En classe de CM2, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a été retirée de force de l'école pour être donnée en mariage à son cousin âgé de plus de 30 ans. J'avais passé entrée en 6e. Donc quand l'entrée en 6e est finie, il est venu me dire que je vais te marier. Tu as l'âge de te marier. C'est là que j'ai dit que, ah papa, laisse-moi, je vais continuer mes études. Il dit non. Donc, il voulait renvoyer maman de la cour. C'est là, moi aussi, j'ai dit, comme c'est ça là, je vais aller me marier. Je suis allée me marier. C'est le début du calvaire pour Asta. Ah, je ne comprenais pas. Quand j'ai maigri, les gens me demandent, ah, madame Camara, pourquoi tu es comme ça? Tu as tout à la maison et puis tu maigris de jour en jour. Ce que j'ai là, mon mari me frappe la nuit, il me fait réveiller. Lève-toi, Asta, lève-toi. Mon papa dit que c'est mon mari qui a raison. Je lui explique, non, il ne veut rien comprendre. Que leur famille ne peut pas se gâter à cause de moi seul. Il me frappe. Je ne lui fais rien, mais il me frappe. Mon papa même dit que vraiment, sa soeur n'a qu'à prendre son fils, lui va me prendre. Là, on a fait divorce. Je me suis mariée avec mon mari, ce que je voudrais. Ces mariages consanguins sont le plus souvent officiés par des guides religieux musulmans. Que dit l'islam à ce sujet?
L'imam Doumbia Yacouba, président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, section Odienné, nous éclaire. Pour le mariage en famille, alors c'est bel et bien conseillé par la religion. Parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, lui qui est notre modèle, c'est lui-même qui est l'un des initiateurs du mariage en famille. Et il a donné sa fille Fatima à Ali. Ali qui était son cousin. J'ai l'habitude de célébrer ce genre de mariage. Voilà, en tant que guide religieux, souvent aussi, on me prend comme témoin du mariage et ça marche. Pourtant, les unions consanguines ont des conséquences médicales, selon Dr Roland Koulibaly, responsable des urgences au centre hospitalier régional d'Odienné. Le mariage consanguin n'est pas à l'avantage de la population. Parce que le fruit de l'union du mariage consanguin, on aura un enfant qui viendra avec des malformations, des maladies telles que la drépanocytose. Et on sera appelé toujours à l'envoyer à l'hôpital, le soigner, et cela a un coût. Ici à Odienné, nous avons vent de mariages consanguins. Et généralement, quand on les rencontre, c'est déjà tard, il y a déjà eu un enfant ou ils sont déjà en union. Pour éviter ces complications médicales, les futurs couples sont invités à faire un bilan prénuptial avant de s'unir. À ce niveau, on peut faire des examens sanguins pour voir si l'un des deux ou les deux ont la drépanocytose. En effet, si les deux ont la drépanocytose, l'enfant issu de ce mariage est capable de faire des formes majeures, des formes graves de la drépanocytose. En ce moment, on saura axer notre prévention et nos traitements pour ne pas qu'ils puissent faire des formes graves. En dépit de multiples sensibilisations, certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. À Odienné, on peut le dire sans risque de se tromper, les cousines sont faites pour les cousins.